Bonjour à tous. Comme vous le voyez, les équipes de France 3 sont toujours sur ce salon de l'agriculture de Paris. C'est le deuxième jour, mais pour la Corse, c'est un jour très important puisque c'est l'inauguration officielle. Alors, elle devait avoir lieu à 11h, mais finalement, il y a un petit peu de retard et ça se comprend. Vous l'avez vu sur les images, Lionel Mortini, le président de l'ODARC, est présent. Il y a aussi Xavier Luciani et évidemment plusieurs producteurs. Alors, ça devrait débuter dans quelques instants. On va vous faire suivre ça, bien évidemment. Vous le voyez, tout le monde se met en place, tranquillement. Ah, tu entends la chanson là? Ah, on va bien, allez. Alors, monsieur le président de l'ODARC, monsieur le président de la MSA, monsieur le président de l'Office hydraulique, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des filières, mesdames et messieurs les agricultrices et agriculteurs, mesdames et messieurs les visiteurs, je vous souhaite la bienvenue au salon de l'agriculture. Comme chaque année, la Corse agricole est là, avec ces 17 filières, ces multiples produits, et nous les présentons à cette belle vitrine qu'est le salon d'agriculture, où nous pouvons aussi lier des contacts, des partenariats avec les autres producteurs, les autres savoir-faire, et également avec les acteurs économiques continentaux, européens, mondiaux, dont nous avons tant besoin. La Foire de Paris, c'est aussi un moment de convivialité, de partage et de fête. Eh bien, il se trouve qu'on en a bien besoin. Après ce que l'on subit, ce qu'une partie de notre agriculture subit en ce moment en Corse, je pense à la filière d'élevage et ses ressortissants que sont les éleveurs. Première filière de Corse, plus ancienne filière de Corse. Une filière et ses ressortissants qui ont bâti les fondations de notre civilisation, de notre culture, de notre patrimoine. Filière qui a forgé l'âme des Corses. Eh bien, aujourd'hui, cette filière et ses ressortissants que sont les éleveurs sont montrés du doigt, sont accusés, vilipendés, parfois cloués au pilori de l'opinion publique, par une guerre qui ne dit pas son nom. Et c'est pourtant une guerre que l'on nous fait, une guerre médiatique, une guerre qui se veut saine, à défaut d'être sainte, une guerre qui utilise des procédés tristement connus, la propagande savamment distillée, la propagande accusatrice, la propagande employée avec des mots-clés, des phrases de choc, des sommes d'argent sorties de leur contexte et balancées à tous les vents, qui peuvent, bien sûr, dans ce contexte, devenir choquants. La propagande insidieuse d'une guerre qui ne l'est pas moins, qui classe les gens en catégories. Les pires, les pourris, sont, comme par hasard, les représentants de l'agriculture. Nous serions
Des pourris, nous serions des vendus, nous serions des filous, nous serions des ballonnettes. En face, ce qui reste, bien sûr, serait la population honnête. Et ça aussi, c'est tristement connu, c'est la purge. La purge, alliée à la propagande, eh bien, ça fait un cocktail funeste. Un cocktail funeste qui est abreuvé par l'armée des réseaux sociaux et ses bataillons de procureurs, d'accusateurs, de juges et de bourreaux. On les entend. On les entend, on les lit. Malheureusement, on entend moins les hommes politiques et les intellectuels. Et leur silence commence à devenir assourdissant. Nous, les Corses, malgré tous les défauts dont on nous affuble, on nous reconnaît au moins un mérite, celui de s'être toujours levé contre l'injustice, contre l'adversité. On a toujours fait bloc. Ça fait ou ça faisait partie de notre ADN. Aujourd'hui, cela paraît illusoire, on n'entend rien. J'ose espérer que nous saurons tous retrouver le chemin de la dignité pour avoir le courage, tous ensemble, les forces vives de la Corse, se dresser encore une fois contre l'adversité, contre l'injustice que l'on nous fait. Je voudrais humblement, pour terminer mon discours, vous rappeler les mots de Nelson Mandela. En situation de crise, lorsque les sages restent silencieux, les fous se multiplient. Il semblerait que sur la terre de Corse, ces derniers aient trouvé un terrain de prédilection. Mais, comme je vous l'ai dit, cet endroit est un endroit de festivité et de convivialité. Je vous souhaite à tous un excellent séjour au Salon de l'Agriculture 2020. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais excuser l'absence du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne. M'excuser également pour ma tenue, j'ai eu un petit problème de valise. La tenue décontractée ne signifie pas que nous étions désintéressés à l'agriculture, bien au contraire. En décembre dernier, l'Assemblée de Corse a adopté une déclaration très importante concernant la déclaration d'urgence climatique et écologique. Une des premiers actes qui seront lancés dès le début du mois de mars concernera donc une grande concertation au sujet de l'agriculture. C'est une concertation, président Samarchil, je crois qu'elle s'inscrit aussi dans le cadre de cette crise agricole qu'a connue la Corse à l'automne et à l'hiver dernier, crise de laquelle nous ne sommes certes pas sortis, mais en tout cas, je crois que lorsque nous avions rencontré le ministre de l'Agriculture, une part importante, voire même l'ensemble de la classe politique, était solidaire pour défendre les agriculteurs dans leur diversité et face à leurs difficultés, y compris sociales. L'agriculture aujourd'hui, elle produit. Je crois que le meilleur de la Corse est ici, n'est pas seulement ici, mais en tout cas, ce sont des stands importants. Il faut cependant travailler au développement de l'agriculture. Aujourd'hui, la Corse est très très loin de l'autosuffisance alimentaire. Nous consommons simplement 4%, en tout cas l'agriculture corse produit simplement 4% de l'alimentation dont ont besoin les Corses. Et donc tendre vers davantage de production, c'est un enjeu très important. À la fois, c'est un gage de santé, de qualité de notre agriculture. Ça permet de mieux entretenir aussi nos paysages. Et puis c'est aussi une responsabilité eu égard au changement important que va connaître la PAC avec le Brexit, avec un certain nombre peut-être d'évolutions et de réorientations également liées au changement climatique. Donc c'est un travail que la conférence des présidents de l'Assemblée de Corse va engager dès le mois de mars et en partenariat également avec les élus du Conseil exécutif, de façon à ce que nous partagions ensemble une même vision de l'agriculture corse. Et partager une vision de l'agriculture corse, c'est aussi partager une certaine vision de la Corse, une certaine idée de la Corse. Montrer que nous ne sommes pas contraints à importer 95 ou 96% de ce que nous consommons, que nous n'avons pas forcément besoin de tout importer de l'extérieur et que nous pouvons également produire. Et c'est ça qui crée aussi l'attractivité de la Corse, une certaine fierté, et de manger des produits frais, produits chez nous, par des agriculteurs qui produisent une agriculture de qualité, eh bien c'est aussi un gage de bon vivre. Voilà. Et il s'agit de bien vivre et de présenter aussi le meilleur de la Corse. Au Salon de l'Agriculture à Paris, c'est une chose très importante et essentielle.
mais de présenter aussi dans le plat de nos enfants tous les jours, c'est, ça l'est peut-être encore davantage. Et donc, essayer de travailler à cette autosuffisance alimentaire, d'y tendre. Il ne s'agit pas d'arriver à 100%, personne n'y arrive. Et en tout cas, tout cela en s'adaptant aux nombreuses contraintes foncières liées à la spéculation, liées à l'indivision, liées à tout un tas de problématiques que nous connaissons et qui nous conduisent aussi à cette crise que nous connaissons, à cette crise importante. Et en tout cas, je voulais dire aux professionnels et aux agriculteurs que nous en sommes conscients, que nous ne vivons pas sur une autre planète, que nos moyens sont certes limités, mais que nous essayerons d'y travailler avec eux. Et tout cela, dès le mois de mars prochain, la concertation sera lancée pour se clôturer, nous l'espérons, au mois de juin, mois de juillet, de façon à essayer de construire un consensus autour de l'agriculture corse. Marine Grazia, bien, buona vista a vous saluto l'agriculture. Grazie. Merci. Lionel Mortini, donc le président de l'ODARC, qui va prendre à présent la parole. Simplement, rapidement, remercier avant tout les services de l'ODARC qui nous ont préparés tout en étant accompagnés aujourd'hui, Stubaez et Diagour, qui nous rassemblent tous. C'est un moment très important pour l'agriculture, pour nos savoir-faire et ce que nous pouvons montrer à travers nos 19 filières et l'ensemble de nos produits de qualité. Donc un grand merci. Merci au président de l'Office hydraulique d'être présent. Merci au président de la Chambre régionale de l'agriculture, représentant de la MSA, monsieur le président, et au représentant du président de l'Assemblée de Corse. Je tenais aussi à excuser le président du Conseil exécutif qui est retenu à Bastia et qui montera sûrement dans les prochains jours. Aussi dire que je ne partage pas le diagnostic qui vient d'être fait par le président de la Chambre régionale, notamment sur la lutte de ce peuple. Je crois que résumer la crise agricole aujourd'hui à la lutte qui a été faite par des militants politiques qui en ont souffert, les familles qui en ont souffert dans leur chair, à ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça quelque part pour moi, personnellement, assez révoltant. Donc il y a une lutte politique qui nous a amenés au pouvoir, parce que c'est aussi cette lutte politique et les souffrances qui en ont découlé, qui ont permis que nous arrivions au pouvoir. Ce pouvoir, évidemment, il est difficile, parce qu'il faut changer l'ensemble des choses que nous avons connues. Il doit être en rupture avec tout ce que nous avons connu, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, aujourd'hui, on n'est pas derrière nos éleveurs ou derrière l'ensemble de nos agriculteurs. On est évidemment derrière nos éleveurs et derrière l'ensemble de nos agriculteurs pour défendre au quotidien ce qui se fait. Mais nous ne pouvons pas accepter non plus tout et n'importe quoi. Donc je le dis et je le redis, nous sommes une majorité de rupture. Cela prendra le temps que cela prendra, mais il faut changer les choses. Alors je le dis aussi au président qui me reproche tout à fait démocratiquement sur le fait que la majorité actuelle n'a pas de fil politique. Moi, je pense que nous avons, ça a été rappelé par le représentant, non, mais ça, c'était pas aujourd'hui, mais ce qu'on a pu voir à travers la presse entre les présidents de la Chambre du Gisement et le représentant donc de la Chambre régionale. Nous sommes derrière les agriculteurs, nous sommes derrière les éleveurs. Ça a été dit, c'est ce qui nous compose, c'est notre ADN, c'est ce qui a composé nos territoires. Mais aujourd'hui, force est de constater que si on fait un diagnostic, on ne peut pas tout mettre sur la crise actuelle, évidemment, dont on doit sortir et sortir par le haut. C'est pour ça que nous travaillons du reste, notamment sur une nouvelle PAC. Il faut être véritablement en rupture. Cette rupture aussi, elle doit être dans la gouvernance. Dans la gouvernance de l'ODARC, qui a été jusqu'à présent, en tout cas depuis un grand nombre d'années, un outil administratif, il va redevenir un outil de développement. Il va devenir aussi un outil de développement parce que nous allons récupérer, alors c'était peut-être pas le mot du jour, mais ça le devient, nous allons récupérer l'installation, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a un gros problème d'installation. Les installations ne sont pas assez
fiables, elles ne sont pas assez stabilisées, notamment en élevage. Et nous allons aujourd'hui construire un nouveau modèle. Ce modèle, il va installer des gens dans les villages et hors des villages. Il va leur permettre d'en vivre et de continuer et de faire leur vie et de leur faire leur vie avec, avec cette, cette passion qu'ils doivent avoir. Tout ça aussi, ça, ça nous demande un travail très transversal qui est fait par d'autres conseillers exécutifs pour la vie dans les villages, qui ne peut pas s'arrêter à dire on va installer quelqu'un. Pour qu'on installe quelqu'un aujourd'hui dans les villages, il faut qu'il y ait d'autres paramètres qui sont l'accompagnement au niveau de la santé, qu'il faut des crèches parce qu'il faut que les femmes puissent travailler aujourd'hui aussi de leur passion et de leur mari, parce qu'il faut que les écoles restent ouvertes, parce qu'il faut que les commerces restent ouverts. Et je rappelle là aussi que nous avons un appel à projet qui est ouvert et qui finance l'implantation des entreprises dans les communes de moins de 1200 habitants, ce qui représente pratiquement la totalité des communes de Corse, où vous pouvez investir, et l'investissement est pris à 50% aujourd'hui par le conseil exécutif. Nous avons développé, dans le cadre de ces ruptures aussi, des appels à projets, notamment sur les vergers. C'est très important parce qu'on peut financer aujourd'hui, à travers les actions du conseil exécutif et à travers l'ODARC, des actions à 90% de financement pour pouvoir réinstaller des vergers qui sont la lutte contre aussi le réchauffement climatique, qui sont là aussi évidemment là pour produire, pour amener de la vie dans les villages. Donc oui, il y a de la rupture, oui, il y aura une nouvelle gouvernance, même au niveau de l'ODARC. Je rappelle que nous avions une moyenne de financement annuel des investissements, donc de 10 à 12 millions par an pour l'ODARC en Corse. Nous sommes passés à 18 millions, à effectif constant. Donc là aussi, je voudrais rappeler le travail qui a été fait par le personnel, le rappeler au travers notamment de sa directrice par intérim. Des choses changent, des choses évoluent. Il faut peut-être un peu plus de temps qu'on ne l'aurait pensé, mais laisser croire qu'on va se laisser emporter par les crises. Je le dis clairement, les crises, elles ne datent pas d'aujourd'hui. La crise, ça fait 250 ans que nous la connaissons. Je dirais qu'elle est partie de Pontello. Donc aujourd'hui, on est dans une continuité. Je ne fais évidemment pas confiance à tous les interlocuteurs quand ils arrivent de Paris. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous devons travailler avec eux. Nous devons être des partenaires fiables pour construire ce pays qui a été déconstruit année après année. Et aujourd'hui, c'est à nous de reprendre le flambeau. Nous le reprenons et nous le devons à tous ceux qui ont lutté, à tous ceux qui se sont battus, à toutes les familles qui ont été dans la souffrance. Et il y en a même ici. Et ces familles, nous leur devons ça. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui de rater cette échéance qui est la construction agricole, la reconstruction agricole de ce pays. Nous leur devons et nous le ferons. Donc je vous souhaite un bon salon. Et donc nous allons faire le tour avec l'ensemble de nos partenaires, voir l'ensemble de nos filières, de nos savoir-faire, de nos savoir-être que nous défendons au quotidien. Merci.
Alors, vous le voyez, le président de la Chambre d'agriculture régionale donc, et le président de l'ODARC sont en train de discuter, puisque lors de cette inauguration, eh bien, il y a eu quelques tensions. Le président de la Chambre d'agriculture a notamment mis en avant la chasse aux sorcières contre les fraudes hein, aux surfaces agricoles. C'était ce problème-là qu'il ciblait. Mais nous y reviendrons plus largement dans les prochains jours et dans vos journaux régionaux dès midi.